Les 3-4 jours de travail ont été très, très bénéfiques. Donc, ça nous a permis d'échanger avec les Polynésiens d'une part, d'échanger avec les Américains, les Canadiens, d'échanger avec les Européens, d'échanger avec les Africains aussi. Donc, c'est ça l'idée. Hein. C'est OK, on vit dans un coin isolé, dans le Pacifique, mais on met en place des réseaux pour pouvoir partager les bonnes pratiques, pour pouvoir aussi s'encourager et se donner de l'espoir. Hein, parce que c'est pas parce qu'on est loin, isolé dans l'océan, qu'on est obligé d'être tout seul. Donc c'était ça l'idée. Il y a eu des expériences dans le cadre du monde économique. Le port de pêche, on a été visiter un projet concret. Donc comment un jeune s'inscrit dans le développement économique et dans le développement durable de son pays. Ça, c'est intéressant de voir que les jeunes y prennent aussi des initiatives qui sont souvent compliquées, hein, parce qu'il y a bien évidemment les normes. Il y a aussi l'argent qu'il faut avoir pour se lancer dans un projet comme ça. Il y a le réseau, mais on voit que ça progresse et que si on est organisé et motivé, ça avance. On peut apprendre des mots, on peut apprendre des manières de calculer, mais des éléments aussi fondamentaux que ceux qui nous motivent, que ceux qui nous permettent de nous dépasser, de ceux qui nous permettent de retrouver nos racines et notre lien avec l'histoire de notre pays, de notre région, de notre commune, mais encore une fois, pas juste pour s'enfermer dans cette histoire, mais au contraire pour s'ouvrir aux autres et aller de l'avant avec les autres, c'est essentiel. C'est aussi pour découvrir les réalités de cet endroit, les problèmes de cet endroit peut-être, et surtout les solutions de cet endroit. Et je remercie beaucoup l'Assemblée de la Polynésie française qui nous a présenté dans les travaux de notre commission, en salle, mais aussi aujourd'hui dans cette visite à l'intérieur même de l'île, à l'intérieur de l'histoire et de la vie, de la culture tahitienne, de pouvoir ainsi avoir cette possibilité d'appréhender ces éléments, de les connaître, de mieux les connaître, et surtout de voir aussi combien il y a des similitudes avec les propres cultures des autres, des choses qu'on peut apprendre les uns des autres, et c'est le but même d'un réseau comme celui de l'Assemblée parlementaire francophone, non pas juste pour savoir mieux, mais pour pouvoir mieux agir aussi. Oui, c'était important pour nous, hein, de voir aussi l'autre pan de nos sociétés, hein, donc le pan social, le pan culturel, le pan spirituel, parce que c'est ça aussi qui fait l'homme. Hein. Ok, il y a des projets de développement économique, ok, il faut insérer les jeunes, mais on provient aussi d'endroits, de tertres, de vallées qui ont une histoire. Donc c'est important pour nous de comprendre tout ça, et puis de voir comment vous organisez ici, hein, parce que ça a une histoire qui est,
qui est millénaire, hein, d'après ce qu'on a compris. Et puis on sait que ça va durer encore 1000 ans. C'est ça, oui, on a échangé sur la fin, sur des valeurs qui sont quand même communes. Hein. Comment vous fédérez les jeunes, les moins jeunes, les anciens, parce que c'est là aussi que provient la source, l'énergie, le savoir. Et puis les travaux qui sont là, c'est quand même des travaux titanesques. Hein. Il faut de l'énergie, il faut de la motivation. Il y a l'idée, c'est une chose, mais il faut se lever le matin, il faut porter les cailloux, il faut débrousser. Ça, c'est une autre chose. Et puis de voir que ça se fait, que ça se construit, c'est encourageant. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la culture reprend sa place à l'intérieur de la médecine conventionnelle. Et voilà, tout dans le respect. On sent qu'il y a quand même des valeurs profondes. Hein. Ils sont issus de la terre, qui sont issus des pierres, qui sont issus des hommes. Donc si on arrive à consolider tout ça, si on arrive à transmettre tout ça, on peut s'encourager pour la suite, hein, parce que si on n'a pas de valeur, si c'est des valeurs qui proviennent d'Internet ou des GAFA ou qui proviennent des satellites, ben, c'est pas nos valeurs à nous. Nous, on sait qu'on est des gens de l'endroit, on sait que les valeurs, c'est important parce qu'on vit en communauté, et puis c'est comme ça qu'on peut avancer.